Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo de la survie du week-end. Donc nous venons pas de se réveiller, mais on vient de rentrer. J'ai été occupé. Donc nous avons deux fourrures d'ours, je vais vous expliquer. Je vais vous montrer comme d'habitude hein, les petites vidéos. Ah, il y en a un qui a pris très longtemps. Je l'ai pourchassé pendant une dizaine de minutes, c'était très chiant. Et l'autre a été extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Alors je crois que j'avais pas autant de peau en fait la dernière fois qu'on s'est quitté. Alors j'ai joué à peu près, j'ai dû passer deux journées je pense en jeu évidemment. Deux journées, ouais je pense, peut-être trois. Donc j'ai récupéré les peaux de loup, voilà on les a quasiment toutes, voire toutes en fait, tout ce qu'on avait tué. Les cerfs, on en a quatre et on a plein de boyaux. Enfin, plein. Honnêtement, j'ai pas encore récupéré genre tous les boyaux des ours, par exemple, et des deux carcasses d'ours. Donc on a encore ça. Et j'ai rien récupéré de la viande aussi, si je me rappelle bien. Mais on en a déjà des tonnes. Je vais vous montrer ça. Donc ce qui va nous manquer là, c'est de l'eau, tout simplement. Mais on a beaucoup de nourriture. Donc on a tout ça qui est cuit. Donc déjà, ça fait beaucoup. Et on a tout ça encore qui est... cru. Donc ouais, on a pas mal de ressources pour le moment, ça se passe super bien. J'ai un peu aménagé des choses, enfin vite fait quoi, il n'y a pas eu de grands changements. Ouais, mais sinon c'est l'eau, hein, c'est l'eau qui va un peu manquer. On est à 34 kilos. Alors je pense que ce qu'on va faire c'est... Fais voir, on est à 37. Voilà, c'est très bien, 37. On peut prendre encore un kilo de viande et on se casse. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, où est-ce qu'on va aller? Eh ben, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Alors, où on peut retourner... Où on peut retourner vers les ours. Pour récupérer leur viande et tout ça. Mais c'est chiant. Hein. Honnêtement, je voulais même continuer un peu à farmer dans un sens... pour pouvoir récupérer donc les boyaux, la viande et tout ça, hein, évidemment. Mais je me suis dit, c'est chiant, je me fais chier. Donc on va faire un épisode. Oh, y a encore des loups, oh là là. C'est incroyable. Incroyable cet endroit. Il y a un endroit que je voudrais aller visiter, c'est là-bas. Parce que normalement, là-bas, il y a des... des maisons en fait qui sont brûlées et tout ça. Et je voudrais aller récupérer ce qu'il y a à côté. Et normalement ce sont des plantes. Donc ça m'intéresse. Ah, on peut peut-être y aller. Aussi on a un très beau temps. Honnêtement je suis assez content de ça. C'est que ça se passe super bien niveau temps. C'est très rare d'avoir pour le moment... mauvais temps genre blizzard et tout ça. Le froid, il est très bon aussi. Je crois que j'ai une touche pour les vêtements. Ouais. Donc, très content de ce côté-là. Même assez surpris. Je crois que ça, je l'ai déjà fouillé. Il y a aussi la maison là avec les lapins. Là, c'est la maison au lièvre, je crois. Et je suis allé dedans, mais j'ai rien fouillé. Enfin, en tout cas, je crois que j'ai rien fouillé. Je me rappelle plus. Non, je crois que j'ai rien fouillé. Je me suis dit, tiens, on va garder ça pour l'épisode, parce que sinon, si je commence à fouiller de mon côté, comme j'ai dit, après, je m'arrête plus, quoi. Le seul truc que je crois que j'ai fait, c'est regarder les voitures qui étaient autour de notre camp, et j'ai dû trouver, un beef jerky ou un truc comme ça. C'est tout, quoi. Ah, mais c'est quoi? C'est un cerf, ça? Ah. C'est un cerf de moi, ça, ou pas? Non, ça m'étonnerait. Non, c'est pas à moi, ça. Ça c'est peut-être le loup qui... Ouais, c'est peut-être le loup qui s'en est chargé. Ouais, ça, c'est le loup qui s'en est chargé. Alors, très bien. D'abord, on va faire ça. On va manger le 07, là. Très bien. Comme ça, on sent plus la barbaque. 21, 28.
Ok, très bien. On est à combien? Moins 5, ça marche. On a un petit brouillard qui se lève, mais il fait pas trop froid. Après, je veux faire une pause à la maison. Et ça, c'est marrant. Donc ça, c'est un... c'est une carcasse qu'ils ont rajoutée parce qu'elle est à moitié ouverte. Ah, il y a peut-être une carcasse là-haut aussi. Je me rappelle plus, en fait, où étaient les ours. Je sais qu'il y en a un derrière la maison, la petite île. Après, je me rappelle plus où j'ai fait le deuxième. Non, ouais, je sais plus. Parce que j'ai fait une pause, en fait, entre-temps. Donc, du coup, j'ai un peu oublié. J'ai été occupé avec Wulang. Qui a été un peu une déception. Je vais pas le cacher. J'en attendais un peu plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, aucune arme dans l'inventaire. Ça va pas la tête? Première fois que ça me fait ça, genre aucune arme dans l'inventaire. Étrange. Faut faire attention parce que je crois qu'il peut avoir des loups. Des fois qu'ils viennent traîner. Donc faut faire gaffe. C'est pour ça que je suis un peu plus... je parle un peu moins. Surtout que là, on a un lapin sur nous. Ok, très bien. Mince. Je prends du bois aussi, juste au cas où. Je sais qu'il fait un peu froid, mais... c'est quoi ça là-bas? Un cerf? Ok, on va rentrer. Alors, normalement, si vous allez au bord de l'eau, comme j'en avais parlé de ça, ça a été drôlement amélioré. Ou alors c'est dans la prochaine mise à jour, je suis plus trop sûr en fait. Mais apparemment, on peut trouver plus d'objets. Oh, il y a des... il y a des bois à couper, c'est pas mal ça. Ça. Il y a pas mal de personnes sur les dans les commentaires qui disent un peu la même chose que moi, hein, qu'il n'y a pas vraiment assez de contenu pour vraiment se relancer. Et je peux comprendre ça, hein, je comprends ça. En tout cas, moi, je sais pas si j'en avais parlé, ça, parce que j'avais réfléchi, en fait, sur comment je vais... comment dire... montrer le nouveau contenu. Parce que de la façon dont je sors les épisodes, on va avoir un problème. C'est-à-dire que si jamais... ah, il est là, l'ours. Il me reste encore 26 kilos de viande. Donc ouais. On a encore beaucoup de nourriture. Hein. Donc le truc c'est que... enfin, faut faire attention parce qu'il y avait un loup qui traînait ici avant. Ok. Parce que la façon en fait dont je fais les épisodes, pour ceux qui, par exemple, très bien, sont membres en fait, sont membres de la chaîne, à niveau 2, etc. Vous pouvez voir les épisodes en avance, donc en théorie, dès que ça va sortir, parce que personnellement, moi, dès que ça sort, les nouveautés,
Ah, je vais lancer un épisode et tout ça. Je vais d'abord regarder si vraiment. Oh, on va sortir la lampe parce que là, ça va être la galère. Je vais d'abord regarder le contenu en fait qu'ils rajoutent sur Steam et tout ça, voir si c'est intéressant et tout. Et après, je vais me concentrer en fait sur ce qu'ils rajoutent du coup. Aller faire si ce qu'ils rajoutent, genre peut-être repartir à l'aéroport pour récupérer la radio si elle est là-bas. Enfin voilà quoi. Et vraiment, je vais essayer de faire ça. Mais le problème, c'est que du coup, vu que j'ai fait pas mal d'épisodes en avance, genre même maintenant, quand cet épisode sera genre au public, peut-être que la première mise à jour sera déjà sortie en fait. Vous voyez, donc ça va être décalé. Donc ça, c'est un problème. Et vu que je veux pas trop faire ça, mais je vais pas non plus mettre tous les épisodes d'un coup, parce que ça serait complètement con, hein. Genre si je mets 15 épisodes d'un coup, les gens vont pas trop aimer. C'est comme ça que ça marche, hein, YouTube. Du coup, je pense que je vais faire mes épisodes normaux, c'est-à-dire avec la mise à jour et tout ça. Et après, je vais faire un épisode à part, en fait, ou plusieurs, peut-être, je sais pas. Genre une sorte de compte-rendu de ce qu'il y a de nouveau et comment ça marche. Genre imaginons qu'il y a la radio. Je vais prendre des morceaux de vidéo de mon épisode, le découper et tout ça, et expliquer ce qu'il y a de nouveau. Est-ce que ça vaut le coup de maintenant de le prendre, le Season Pass? Est-ce que le gameplay est bien? Est-ce qu'il y a des nouveaux bugs? Parce que bon, ça aussi. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, ça va être plutôt cool. Donc ça fera. Et puis en plus, c'est peut-être mieux pour les gens, comme ça ils n'ont pas à se taper un épisode genre d'une heure. Je ferai vraiment un compte rendu des nouveautés en fait. Juste pour montrer ce qu'il y a de nouveau. Point barre. Pas autre chose. En espérant que bah, y a de la matière aussi, hein, faut l'avouer. Hein. Parce que s'il n'y a pas de matière à montrer quoi que ce soit, parce que le rajout, encore une fois, il est nul. Voilà quoi, ça c'est un peu le problème. C'est un peu ma peur aussi, ça le truc. C'est un peu ma peur où qu'il y a, genre, il n'y a pas de contenu, où il n'y en a pas assez, où il n'y a rien qui marche, où ça sert strictement à rien, etc. etc. J'ai un peu peur de ça. En théorie, ça devrait sortir en mars, je crois bien. Le compte. Je me rappelle plus de quand ils avaient dit ça. Je crois que c'était mars. Donc du coup, en théorie, c'est ce mois-ci. Parce que je fais cet épisode. On est le 12, là, au moment où je fais l'épisode. Donc ouais, en théorie, c'est pour bientôt. Il y a aussi la sortie sur Wii, je crois. Console. Console en général. Où la mise à jour devrait sortir sur console. Ah oui, l'autre, il est là. Je sais pas trop quoi faire en fait. Prendre des boyaux, j'imagine que c'est le mieux. Parce que la viande, on en a déjà plein. De la viande, on a déjà plein, donc des boyaux, c'est important. Ok, très bien. Regardez, il y a des cerfs partout. Et la nourriture, ça sert à rien d'en prendre plus, hein, j'en ai déjà plein. Ah, j'aurais dû dessiner, mince. Complètement oublié. Ah oui, il y a lui. Normalement, je l'ai fouillé, lui. Ouais. Lui, je l'ai fouillé. Vu qu'il était à côté de l'ours.
Là, on peut pêcher. Là, là, ça serait un bon moment pour pêcher, j'avoue que... Ouais. Bon, on va pas le faire parce que c'est chiant, hein, mais... Mais bon. Par contre, j'ai plein de boyaux sur moi avec les lapins en plus. J'essaye de voir s'il n'y a pas des objets sur le rivage. C'était pas comme ça avant. Je crois que là, ils ont refait, j'ai l'impression. Très bien. Oula. J'ai l'impression qu'ils ont refait cette partie-là, non? Ça a toujours été comme ça? J'ai un doute. Je vais être honnête, là on devrait plutôt mettre les crampons quand on est au bord de la glace, comme ça on a plus de temps si jamais ça commence à casser. Parce qu'en théorie c'est comme ça que ça fonctionne, je crois. Je peux entendre un truc. Wow, les objets qui apparaissent comme ça. Ok. Ouais, c'est sympa la tissu et tout, c'est sympa. Par contre, on commence à être extrêmement lourd. Donc, on va avoir des problèmes. Il y a un... Attends. J'ai entendu un ours en fait. Un loup, pardon. Un l'ours. C'est un mix entre un loup et un ours. Là, il y a le lapin. Je crois que... Il est où? Et où? On va planter une flèche. Ma flèche! Ah, oh putain de... Oh là là, on torse à la cheville. Pas grave, on le retrouvera. Ouais, ça c'est un peu le problème de... pas avoir les crampons, ouais, j'avoue. Quand on fait les montées comme ça. Bon, je juste regarde un peu où il va. Ok. Par là-bas. Ça marche, on devrait pouvoir le retrouver. On devrait pouvoir le retrouver, ça va. Alors, entorse à la cheville. Aïe, 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 aïe.
Fouillons. On va peut-être même dormir ici. Ça m'embête un peu là pour ma flèche, j'avoue. J'avoue que ça m'embête un peu. Mais bon, on va sûrement la retrouver. Enfin, j'espère. Ah, vous avez vu, c'est le pont à la vallée charmante, je dirais. Ça m'étonnerait que ce soit un pont ici. Après, on recherche pas de choses très particulières, on a un peu de tout. On a déjà un peu de tout, donc bon. Genre, tout est bienvenu, en fait, à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment de problème. À la limite, ce que je voudrais, moi, ça serait des faitous. Enfin, quoi que non, j'ai pas d'endroit, en fait, pour mettre six faitous, en fait, pour faire de l'eau, par exemple. Il n'y a pas d'endroit ici, je crois. Ouais, je pense pas. Donc au final, ça nous servira à rien. Très bien. On a plein de vêtements là. Faudrait faire un tri. La valise. Bonnet, on va prendre l'eau. On est un peu lourd là par contre. Et toute l'eau qu'on a accumulée là, j'avoue que c'est un peu embêtant. Ah, vous rappelez la dernière fois, enfin je crois, enfin peu importe. Je parlais d'accessoires qu'on pourrait avoir. Ça serait bien de pouvoir faire une gourde. J'ai pensé à ça. Alors techniquement, on n'a pas besoin de gourde. Hein. Genre, c'est pas comme la fois où on avait un mod où on pouvait crafter des gourdes et tout ça. Mais un truc qui pourrait être sympa, ça serait une gourde d'eau qui pèse moins lourd une fois qu'elle est pleine, en fait. Du coup, par exemple, si vous avez 5 litres, bah, ça en pèse que 4. Vous voyez, un truc comme ça. Il pourrait faire ça. Il pourrait faire des choses comme ça. Alors, genre, s'il rajoute des choses. Ça serait vraiment sympa, je pense. De toute façon, tout ce qui joue avec... Alors, attends, il est quelle heure? Dormir ici, à la limite. Je vais d'abord... je vais d'abord dessiner. Tout ce qui joue, en fait, avec le poids, ça pourrait être vachement intéressant, en fait, ici. D'avoir ça en... En nouvelles choses à crafter. Ah, très bien. Là-bas. J'entends les corbeaux, mais je les vois pas. Ah, je crois que c'est un cadavre qui est derrière, en fait. Par contre, je vais voir là, parce que je crois que le cadavre de l'ours est là, du loup, pardon, est là-bas. Mais ils me suivent les corbeaux ou quoi? J'ai l'impression qu'ils me suivent. C'est fou ça. Je veux récupérer ma flèche. Ouais, ça doit être lui. Ouais, ça pourrait être vraiment être sympa. Une gourde. Du coup, ça diviserait votre poids en eau par deux. Un truc comme ça. Genre un accessoire que vous mettez genre par-dessus tous vos vêtements. Et ça serait une cape, un peu comme la cape en peau d'élan là. Sauf que ça serait plutôt autre chose, genre un accessoire, et ça vous protège contre le vent. Et du coup vous avez moins froid quand il y a du vent. Vous voyez des choses comme ça en fait.
ça pourrait être intéressant. Et on va se mettre là. Je vais aller fouiller ça. Parce que je sais pas si je l'ai fait. Et après on retourne là-bas. Comme ça on va déchirer tous les vêtements qu'on a. On va... C'est quoi ça? C'est un feu? Ah oui, parce qu'il y avait un... Ah mais du coup on l'a fait ça. Je me rappelle de ça. On a du vent. Ouais, donc comme je disais, on va dépecer tous les lapins qu'on a récupérés, détruire les vêtements surplus qu'on n'utilise pas. Très bien. Marche automatique. Sans les mains. Et voilà. Donc ouais, ce serait intéressant. Moi j'aimerais bien voir des trucs comme ça. Comme j'ai dit, nous il nous faudrait un... Le top du top. J'en ai parlé ça. Ah, les gens sont apparemment sont assez d'accord avec ce que je dis. Ce serait un sac modulable. Genre avec le travois. Genre quelque chose qu'on puisse aménager comme on veut. Genre rajouter des poches et tout ça. Ce serait tellement cool. Vraiment tellement cool. C'est bien ça. Il y a pas mal de jeux comme ça qui partent du principe que vous avez une sorte de sac à dos ou un truc comme ça. Et bah en gros, grosso modo, la façon où vous augmentez, c'est d'améliorer la chose. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rajouter un surplus, je sais pas, on peut récupérer plus de ressources, enfin transporter plus de ressources, des choses comme ça. Et c'est vrai que dans The Long Dark, ça serait pas mal. Ça serait un jeu en lui-même, en fait, de devoir aménager ou alors augmenter, améliorer les choses. Mais enfin, on verra. Je vais récupérer encore un peu plus de lapins, parce que des lapins, on n'en a pas beaucoup. De peau. Je crois que l'autre il est parti de ce côté là, mais il y a du vent et ça m'énerve. Donc on va faire lui. Un carquois aussi. Pour pouvoir transporter les flèches plus facilement. Des choses comme ça. Ça pourrait le faire. Oula, là on est en pente. J'ai peur que la flèche elle s'envole, je sais pas où. Bien joué. J'ai mis trop de temps. J'étais pas sûr que on ait... la bonne flèche en fait. Bandé. Aïe 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 aïe. Quel idiot. Elle est où ma flèche? Elle est là. Pleine tête. Ça c'était le repas du loup.
on rentre. Mais ouais, y a tellement de possibilités à faire, moi je... Je sais que je vais être déçu, hein. À force d'imaginer des choses, hein. Je sais qu'on va tous être déçus. Hein. Donc, mais je peux pas m'en empêcher d'imaginer en fait ce que ça pourrait être. Okay, très bien. Je crois que ce qui nous prend plus de poids, c'est surtout l'eau, hein, on est d'accord. On a 6 litres d'eau, c'est un peu trop. Mais enfin, c'est pas grave. Ça, on va manger et on va faire tous les lapins. Du coup, on s'en retrouve avec 5. On se retrouve avec 5 lapins, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, les vêtements, alors on recycle ça. Très bien. Alors là, on a souhaite à capuche. Bah, tout le reste, c'est pour juste du tissu. Ah si, il y a les bottes. 1h30 pour du cuir séché. Ouais, ça passe. Très bien. Maintenant, je me dis que j'aurais dû prendre plus de nourriture. Et ça devrait. On est déjà à 5, oui, hein. On est déjà à 5 en carcasse. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que je voudrais faire, moi? Raccommodage. Après, la pêche sur la glace, je crois... Non, je crois pas que j'ai un livre. Non, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... c'est que j'aille pêcher entre des épisodes, en fait. Entre quelques épisodes, entre deux épisodes. Histoire de monter le niveau. Je crois que ça serait le mieux. Ce qu'on peut faire, c'est... ça, on peut le garder de côté. Je crois que je peux me débrouiller avec ce que j'ai en calories, là. Ça va... Ah, quoi que non, attends, si on fait... Oui, non, ça va. 8h, 10h. Alors, on va peut-être devoir manger les conserves. On va voir. On va voir. Ouais, faut qu'on boive. On va pas tout boire, parce que si je dois manger les conserves, je crois qu'elles donnent un peu d'eau. Oh, I've never been so hungry in my life. On a une tempête à l'extérieur. Je vais voir un peu. Genre, est-ce qu'elle est mauvaise ou ça peut aller? Ça va. Achigan de petite bouche. À petite bouche. 1100 de calories. Ouais, le truc qui fait 4 kilos. Je crois qu'on peut rentrer, honnêtement. On fait ligne. Ça fait un peu loin. On fait ligne droite vers notre camp. Ou alors on fait un feu, mais... Faire un feu ici, c'est chaud. Attendez, peut-être qu'on peut... s'il fait jour... Enfin, si on a de la lumière, pourquoi pas. Parce que là, je crois que c'est bon. Il faut juste un endroit, en fait. Là... J'entends du bruit.
J'entends des pas. J'espère que c'est des lapins. Je pense que c'est du lapin, mais pas complètement sûr. Par contre, oui, je sais que j'ai rien mis encore sur le feu. Je sais. Je vais juste poser les boyaux, puis après on fait cuire tout ce qu'on a là. Plam plam plam. Plam plam plam. Il me reste très peu de calories. Je sais pas si je vais avoir le temps d'attendre en fait. Je sais pas si je vais avoir le luxe en fait d'attendre. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? On mange ça, tige de massette, et on garde les conserves parce que c'est quand même 500 pour à peine 0,30. Ouais, ça devrait être suffisant. Faire attention parce que le feu en fait il est bien placé parce qu'on se brûle pas, mais bon, hein, pas le top du top là. Bon, on va voir le cadavre, je suis sûr que c'est un cadavre qu'il y a là. Je vais encore me péter une cheville. Il n'y a que de ça. C'est fou d'entendre des corbeaux et de voir rien, genre strictement rien. C'est incroyable ça. Là, j'ai l'impression que je les ai passés, en fait. Ou alors, vous allez me dire que... Parce que là, il n'y avait pas de cadavre. Donc, du coup, est-ce qu'ils auraient... Ou alors, c'est peut-être pas là. Hein, c'est peut-être l'autre île, en fait. Mais là, j'ai l'impression, en fait, qu'ils ont enlevé, du coup, le cadavre qui est à l'arrière. Du coup, il n'y a pas les corbeaux. Mais... Il y a toujours le son des corbeaux. Mais c'est pas normal, là. Faut aller récupérer notre nourriture avant qu'on soit à zéro. Bizarre. Au moins que les corbeaux soient dans la paroi, j'en sais rien.
Ok, très bien. I'm not sure I can carry much more. Parfait, ça va. Ça se passe bien. J'ai juste un feu un peu chaud. Comme ça, on n'a pas trop de problèmes. Après, je sais que j'ai laissé un autre lapin en bas, exprès, au cas où. C'est au cas où il y a des loups qui traînent. Non, ça va. Encore une fois, un très beau temps. Donc c'est vraiment un plaisir en fait de jouer ici parce qu'il n'y a pas besoin de trop stresser. Faut juste, il y a beaucoup de combats en fait. Là c'est pas vraiment genre du combat contre les éléments. Là c'est plutôt du combat contre les animaux. Donc ça change un peu, je vais être honnête. Donc ça c'est cool. Donc ça fait vraiment plaisir. Okay. Ouh. 16 minutes, 2 minutes. Du coup, j'ai plus rien à mettre. Hein. Jour de lessive, hein, plus rien à se mettre. Ah là là, je suis vieux, merde. Alors, on va faire de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger tout ça. Le mieux, ce serait de manger d'abord le poisson. 1500 calories presque pour 2,6 kg. Alors oui, c'est impressionnant quand on voit 1500 calories, je suis d'accord. Mais c'est tellement nul pour le poids. Catastrophe. Ok, très bien. On va s'occuper des lapins. Et je crois qu'après on va rentrer tranquille. Hein. Je pense que ça va être la fin de notre épisode. Honnêtement, c'était un épisode un peu chill et tout ça. Mais comme j'ai dit, ici c'est très chill. Hein. Très tranquille. Et c'est ça qui est vraiment bien en fait. Je veux juste voir si on peut pas au moins cuire toute la viande qu'on a. Comme ça, ça nous fait une petite réserve. Ça, c'est sûrement celui-là qui a été bouffé par le loup. Du coup, il reste quasiment rien. Bien. Après on peut toujours continuer de ce côté là, mais le problème c'est qu'on commence à être super lourd. C'est ça qui est un peu embêtant. Ah, après j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de tout prendre. Ouais, on n'est pas obligé de tout prendre.
C'est vrai. Ouais, parce que comme ça, on continue de ce côté-là. Oh, on n'a pas fait ces maisons là-bas. Oh, oui, 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 on va continuer. Oh, j'avais complètement zappé. C'est... Oui, mais il y a encore un petit village, en fait, qu'on n'a pas fait. Ouh, ouais, 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 let's go. Par contre, on va mettre le kérosène là dans le... Ah, non, pas ça, ça. Ravitailler. Ouais, on va continuer. On va continuer. Voilà, il est où mon poisson? Mon poisson qui pèse une tonne. Voilà, là c'est bon, on est à 40 kilos. Du coup... Ben, je crois qu'on peut partir maintenant et on dépose le reste des lapins après. Est-ce qu'on prend tous les boyaux? Ça, c'est la question. Ça. Ou alors, on refera un tour par là. Je suis en train de réfléchir. Parce que si on prend la route... Sinon, on va aller là. Si on prend la route... Je crois que c'est plus long comme ça. Enfin, et dans un sens, c'est plus dangereux. Alors après, et donc du coup, enfin, moi, je ferais plutôt comme ça. Tac, tac. Quoique, en fait, la distance, je pense que c'est du pareil au même. Le problème, c'est que bon, là, on est peut-être un peu plus protégé du vent et tout. Mais on peut se faire attaquer par des loups, des ours et tout ça. Alors que si on va sur la glace, bon, on les voit arriver de loin, les machins, quand même. Hein, c'est tout plat. Donc là, c'est beaucoup mieux. Donc je pense qu'on va, on va revenir ici. Donc on va laisser tout ça ici. Ouais, on va laisser tout ça ici. Donc maintenant je suis en train de me demander qu'est-ce que si on ne devrait pas prendre les lapins et vraiment tout dépecer maintenant. Ah, évidemment. Ah, évidemment, je voulais utiliser le feu, là, pour m'éclairer jusqu'à là-bas, mais ouais, bien sûr. Évidemment, c'est toujours comme ça. Bon, bah, du coup, on est un peu bloqué là, pour le moment. C'est un peu long, en fait, de le faire à la main, les boyaux. C'est ça qui m'embête. Voilà, ça c'est bien. Ça, il faudra le prendre, ça. Les pots de lapin comme ça. C'est vraiment bien. Ça fait quoi encore? Une heure et demie à peu près? Pour le reste? Allez, vas-y, on va le faire. On va le faire à la main, comme ça, on est tranquille. Bon, par contre, si le temps est pourri, je pense qu'on va... On va attendre. Enfin, quoique, je peux me déplacer. Si la visibilité, elle est pas trop pourrie, je peux me déplacer, honnêtement. Parce qu'on n'est pas très très loin. Donc on pourrait arrêter l'épisode là-bas et dormir là-bas, en fait. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut pas aussi déposer des vêtements, par exemple, tant qu'on y est. Que je compte pas les détruire, les vêtements qu'on a là. Je compte les garder de côté. Enfin, les garder ici, quoi, vite fait. Au cas où, hein, comme j'ai dit, hein, si jamais on a un malheur et que tout se déchire et tout ça, ben voilà, on aura des vêtements quand même à différents endroits de rechange. Je pense que c'est pas mal. On va prendre la nourriture et on se casse.
pour voir l'eau de 2.2. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, non, on va peut-être... Non, on va éviter quand même. Ouais, non, le blizzard est trop important. J'ai pas envie de tenter. J'ai pas envie de tenter. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? De la couture. Histoire 2. Ouais, on peut faire de la couture. Alors attendez, est-ce qu'on a un fil et une aiguille? Ah oui, matériel de pêche, très bien. Préparer ça une heure. Très bien, les autres. Est-ce que le kit a cassé? Non. Vu qu'on a le temps, c'est tranquille, il n'y a pas à se presser. On utilise plus le fil et une aiguille. Là, on n'utilise pas le la boîte à couture. Là. Okay. On a encore un peu de soleil. Enfin, encore un peu de lumière. Ça, toi, t'es encore bon. Réparer. Ça va être limite. Ok, nickel. Parfait. Parfait, parfait. Ça s'abîme vite, hein, ça. Ça s'abîme extrêmement vite, hein. C'est très très chiant. Extrêmement chiant. Ouais, non, ça sera... Il va faire noir bientôt. Il va faire nuit. On va manger ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On met fin à notre épisode maintenant? Ça va faire une heure. Et la prochaine fois, du coup, on visitera ici. En gros, la prochaine fois, peut-être qu'on visitera ici, puis après, on repartira au camp. Ou alors, on visitera ici, et je crois qu'il y a une église, ici. Détruite ou pas? Je me rappelle plus. C'est peut-être dans une autre zone. Je confonds maintenant les zones. Ah non, je crois que c'est au site de Désolation, où il y a une église en hauteur, qui est abandonnée. Ouais, je crois que c'est ça. Parce qu'après, il y a le phare et tout ça. Je crois pas qu'il y ait d'église ici. Enfin, je pense pas qu'il y ait des choses intéressantes en fait dans les hauteurs. Je me rappelle plus. Je sais qu'il y a des ours. Ça, je me rappelle. Je sais qu'il y a des ours. Ouais, on va s'arrêter là. Je peux pas recouvrir, on est d'accord. Ah, j'ai envie de tester. Il y avait un truc bizarre, je crois que c'était au Mont Timberwolf où je pouvais construire des choses pendant la nuit. J'ai pas trop compris pourquoi. M'étonne rien. Ouais, ok. Mais ouais, je pouvais construire des choses pendant la nuit. Et... Ou alors, peut-être qu'il y avait une aurore boréale, mais vous savez, elle était tellement légère que je la voyais pas. Mais bon, j'ai fait ça plusieurs fois et je me suis dit, oh bah c'est bizarre. On va faire ça. On va essayer de grignoter un peu de la nuit avant de vraiment dormir parce qu'on n'est pas trop fatigué en fait. Ça va. On commence. Vous avez vu le nombre de champignons, de baies, tout ça qu'on récupère ici, c'est pas mal. Honnêtement, c'est sympathique. Et le truc qui est bien, c'est que c'est pas vraiment l'endroit où vous allez beaucoup les utiliser. Parce que, bon, quand on les utilise, nous par exemple, c'est vraiment pour... Par contre, je vais refaire un
pansement. C'est vraiment pour nous réchauffer en fait, que je fais bouillir les thés et tout ça, et que je les... Enfin les tisanes et tout, que je les bois et tout, machin. Mais là, non, parce que bon, il y a plein de bâtiments où se cacher, donc vous pouvez vraiment faire une bonne réserve de thé et tout, ça c'est cool. Sans en avoir besoin du tout, là. Va falloir que je fasse des flèches aussi. Enfin, quoi que je crois qu'il m'en reste encore au camp. Mais ouais, il y en a quand même... je crois qu'on en a 5 ou 6 déjà, des têtes de flèches. Donc on va pouvoir en refaire. Bon, alors on va s'arrêter là. Ouais, mais ça avance bien, ça avance bien. On est à quel... combien de jours maintenant? On est à 111 jours. Eh ben, ça avance, c'est cool. On n'a pas trouvé de... ici, on n'a pas trouvé de photos. On n'a pas trouvé de notes qui nous indiquent des endroits pardon, secrets pour le moment. Donc, ouais, ça, c'est un peu embêtant. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Allez, on va s'arrêter là. Donc, la prochaine fois, on ira au dernier camp avec toutes les maisons. Ça va être cool. Il y a plein de trucs à vérifier, à checker et tout ça. Et on va peut-être tomber aussi sur un ours. Je vais vous montrer où c'est. Donc c'est dans cette partie-là, donc on va aussi dessiner. Ouais, c'est dans cette partie-là, il y a au moins 3-4 maisons à visiter, c'est à côté d'un truc de pêche, d'un trou de pêche sur glace, je crois qu'il est à peu près là. C'est vraiment cool là-bas. Donc ouais, ça c'est sympathique. Après peut-être qu'on pourrait faire un tour au site de la désolation. Bah il y a une forge, bon nous on s'en fout un peu de la forge, mais bon voilà, il y a une forge, si on veut. Allez, on est bon. Ouais. À la prochaine, portez-vous bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et ciao ciao, en espérant que les mises à jour en fait arrivent vite. À la prochaine, ciao. On va faire 10 heures. Bon, on va sûrement pas dormir 10 heures, mais c'est pas grave. Ciao.